Siri, Mike. Siri. Ross. Siri. Siri. On va prier, gars. Vous venez de célébrer la fête de Tabaski.
et à la maison, vous avez immolé votre animal. Quelles sont vos toutes premières impressions à domicile? Écoutez, je me réjouis. Je remercie Dieu de m'avoir donné l'opportunité de faire cette année encore. Je voudrais souhaiter bonne fête à tous les fidèles musulmans de notre pays et d'ailleurs. Je souhaite que cette fête inspire ceux qui ont la force, le savoir et les fortunes pour qu'ils mettent ses moyens, ses capacités au service de la justice, de la paix et dans la promotion de la fraternité entre les hommes. Je demande à Dieu de chasser de notre pays la haine, l'injustice, l'arbitraire et qu'il inspire tous les fils de ce pays pour la promotion de la paix et de l'unité de la nation. J'ai une pensée particulière pour nos camarades en détention. Ils sont nombreux encore dans les prisons en raison de leur activité politique. Des détenus politiques, ils n'ont pas eu comme moi le privilège de fêter en famille ou d'immoler un bélier à cette occasion. Qu'ils sachent, on pense à eux. Que les autres Guinéens qui jouissent de leur liberté pensent à eux. Je voudrais souhaiter prompt rétablissement à tous les Guinéens malades. Je ne peux pas ne pas penser à nos enfants, aux jeunes qui préparent les examens, soit le verre, le bac ou d'autres examens. Je leur souhaite bonne chance et un succès. Que Dieu bénisse la Guinée. Quelle lecture faites-vous du sermon d'aujourd'hui? Écoutez, bon, j'en suis satisfait. Les sermons prêchent toujours l'unité, le pardon, la tolérance, la paix. C'est des valeurs qui manquent absolument à notre pays. Nous sommes confrontés à des fléaux comme l'injustice, la corruption, la misère, l'utilisation à des fins personnelles, des ressources publiques, la dégradation des infrastructures et surtout la division des Guinéens en partis politiques, en ethnies. Ces divisions sont accentuées depuis quelques années au détriment de l'unité de la nation et ces divisions suscitent parfois la haine et la violence et les violences que nous déplorons. Vous savez qu'on a eu beaucoup de morts dans le cadre des violences d'État. Vous savez, ces derniers temps, dans le cadre des violences post-électorales, il y a 47 jeunes qui ont été abattus. Il y a 4 qui sont morts en prison pendant la lutte des manifestations pacifiques contre le troisième mandat. On dénombre près de 99 morts, dont certains ont été enterrés nuitamment dans des fosses communes. Le problème, le drame, c'est que ces crimes sont ignorés ou niés par ceux qui ont la charge de conduire les enquêtes pour identifier les auteurs des crimes et pour les déférer devant les tribunaux pour que qu'on puisse mettre fin à ce cycle infernal. Impunité, crime. Parce que comme vous le savez, les crimes impunis encouragent la récidive. Comme disait l'autre, qui néglige de punir le mal, l'encourage. Donc nous souhaitons que, effectivement, ceux qui sont morts dans l'exercice d'un droit constitutionnel, celui de manifester dans la justice est un droit aussi. Mais malheureusement, ce droit ne peut être exercé que si les autorités ont la volonté de mener des enquêtes et de punir les criminels.
aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont détenus en prison, mais c'est clair pour, par rapport aux crimes qu'ils ont commis. Ils sont là, et les gens sont là, on a une liste, c'est très bien documenté, mais personne n'en parle. On n'en parle que voilà, de ceux qui sont détenus, on les accuse d'avoir voulu renverser le régime, d'avoir attenté à la sûreté intérieure de l'État, d'avoir fabriqué, détenu et stocké des armes de guerre. Mais les coups citoyens ont été tués. Non pas une fois à la moindre justice. Ça, c'est pas bon. Je dis, la prière de Dieu inspire ceux qui ont la force, ceux qui ont la place en charge de conduire l'institution judiciaire, d'être au service de tout le monde, et non seulement, non pas seulement du tout.